Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre leçon aujourd'hui est Examen blanc, épreuve numéro 1, le texte. Le 6 mars, le 5 mars 2020. Cher papa, je t'écris cette petite lettre pour te dire que tu nous manques beaucoup et pour te donner de nouvelles de la famille. Nous sommes tous en bonne santé maintenant que ma mère est complètement guérie grâce aux médicaments que je lui ai achetés à la pharmacie. Salma et Youssef travaillent bien à l'école. Je les aide chaque fois qu'ils me le demandent. Ils obtiennent de bonnes notes. J'accompagne maman quand elle va faire le marché. Quand tu reviendras, je te parlerai de quelque chose qui va te faire plaisir. L'autre jour, on t'a vu à la télévision avec d'autres journalistes à l'occasion de la visite royale à Agadir. C'est pour quand ton prochain reportage. Nous sommes fiers de toi. Je t'embrasse fort. Ta fille Aïda. Donc on va lire le texte. Le Hussima, le 5 mars. Le Hussima, 5 mars 2020. Cher papa, Abil Aziz, je t'écris cette petite lettre pour te dire que tu me manques beaucoup. أكتب إليك هذه الرسالة القصيرة لأقول لك اشتقنا لك كثيرا. Et pour te donner de nouvelles de la famille. ولإعطائك الأخبار أو مستجدات العائلة. Nous sommes en bonne santé. نحن في صحة جيدة. Maintenant, الآن. Que ma mère est complètement guérie. وبأن أمي أصبحت شفيت تماما. Grâce aux médicaments que je lui ai acheté à la pharmacie. Bifadli dawa alladhi ishtaraytuhu laha fi as-saydaliya. Salma wa Youssef travaillent bien à l'école. Salma wa Youssef yashtaghalina jayidan fi al-madrasa aw ya'malani bijiddin fi al-madrasa. Je les aide chaque fois qu'ils me le demandent. أساعدهما في كل مرة يطلبان مني ذلك. Ils obtiennent de bonnes notes. يحصلان لي على نقاط جيدة. J'accompagne maman ورافق أمي quand il va faire le marché. عندما تذهب للتسوق. Quand tu reviendras, عندما تعود, je te parlerai de quelque chose qui va te faire plaisir. سأحدثك عن شيء ما سيسعدك. L'autre jour, فذلك اليوم, on t'a vu à la télévision avec d'autres journalistes. رأيناك أو شاهدناك على التلفاز برفقتي مع صحفيين آخرين à l'occasion, بمناسبة de l'occasion de la visite royale à Agadir, بمناسبة الزيارة الملكية إلى مدينة Agadir. C'est pour quand ton prochain reportage, هل من أجلي reportage القادم. Nous sommes fiers de toi. نحن فخورون بك. Je t'embrasse fort. أقبلك بحرارة. Ta fille Aïda. ابنتك Aïda. Donc, on va passer aux compréhensions de l'écrit. أسئلة الفهم. À quel genre appartient ce texte? ما نوع النص? أو ما هو النوع الذي ينتمي إليه النص? Qui a écrit ce texte? Man kataba hadha an-nass? A qui? Liman? Et pourquoi? Limada? De combien de membres est composée cette famille? Ma huwa adad afrad hadhihi al-a'ila? A 4, B 3, C 5. On tourne la bonne réponse. Ikhtar ahit al-jawab sahih. Question numéro 4. Qui a acheté les médicaments à la pharmacie? Man ishtara ad-dawa' fi as-saydaliya? Question numéro 5. Le père de Aïda est journaliste. Walido Aïda, sahafi. Vrai ou faux? Sahih ou la khata? On tourne la bonne réponse. Ahet le jawab, sahih. 6. Relève la phrase qui indique qu'Aïda va faire une surprise à son papa. Et dan,
ما هي حدد الجملة التي تدل على أن عيدا تحضر مفاجأة لأبيها. Question numéro 7. À quelle occasion le père de Aïda est allé à Agadir? À Agadir. Mahia Mounasabat Dahab Walid Aïda il a Agadir. Question numéro 8. Qu'est-ce qui te montre que Youssef et Salma travaillent bien à l'école? Madali Luka, ou Mahoua Madladi Yadul Luka, Al Anna Aïda Youssef ou Salma Yamal Nabijid Film Drasa. Activité réflexive. Sur la langue. Anchita mouta'alliqa bit-tamarin. Abi l'ugha. Lexique l'mouajam. Lexique l'mouajam. Dans un synonyme du mot souligné. Octobre mouradif. Les kalima al-moussattari tahtaha. Il écrit une lettre. Taktubu risalatan. Il achève son reportage. Anha. Reportage à Question 2. Dans le contraire, le mot d'ad, de ce qui est en gras. Il y a les kalimat le mot Les hommes qui sont en gras. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Donc, ma wa d'ad en bonne. L'expéditeur, le morsil. Grammaire. Écrit à la forme négative. How will إلى جملة منفية. Ma mère est encore malade. أمي لا زالت مريضة. Souligne le groupe nominal et le groupe verbal de la phrase suivante. Et entoure plutôt. إذا سطر على المجموعة الإسمية. Et entoure أحيط المجموعة الفعلية. سلمى et يوسف révisent leur leçon. سلمى ويوسف يراجعان دروسهما. Relie ces deux phrases en utilisant aussi que. Donc, arbitre bien la jumelatine, mais c'est mal. Aussi que. Aïda est heureuse. Salma est heureuse. Aïda, Saïda. Ou Salma, Saïda. Question numéro 6. Relie ces deux propositions en utilisant comme. سنربط بين هذه الجملتين باستعمال كوم جو سوي لاني انا هي الكبيره جاد ما سور اي مون فرير دو فير لور دوفوار اساعد اختي واخي لانجاز واجباتهما سولي لادجكتيف كاليفيكاتيف اي دون لور فونكسيون اذا سطر على لا لادجكتيف هو النعت اي دون لور فونكسيون حدد نوعه Le jeune médecin, At-Tabib Ushab, est présent. Hadirun. Il soigne la malade. Yu'alij al-marida. La conjugaison conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Les journalistes se précipitent vers l'invité du Maroc. Les journalistes se précipitent. Les journalistes se précipitent. Vers l'invité du Maroc. نحو ضيف المغرب. هنا صرفوا في لو باسي كومبوزي. Écoutez, Samia, les conseils de médecin. نصائح طبيب. هنا l'impératif présent. Nous attendons le retour de notre père. ننتظر عودة أبينا. هنا le présent de l'indicatif. Vous êtes bien de retour. Vous êtes. أنت عدت. Et nous avoir une discussion. يكون لنا حوار. هنا le futur simple. Mais le verbe entre parenthèses autant qu'il convient. Combien de صرف الفعل في زمن المناسب. C'est le papa. إذا كان الأب le verbe être là هنا. Aïda lui raconterait son secret. Aïda ستحكي له عن سرها. Orthographe. Termine avec « et » ou bien « et » ou bien « son » et « son ». Donc, ce sont les homonymes grammaticaux. Les homonymes, هما اللي عندهم نفس النطق ولكن المعنى والكتابة مختلفة. La maman a demandé à Aïda d'envoyer une lettre à son père en voyage à Agadir. L'homme طلبت من Aïda أن ترسل رسالة إلى الأب, إلى أبيها, المسافر إلى Agadir. Complète avec son et son. Aïda et son père sont très proches. Aïda wa Abiha muqtaribani jiddan.
mais c'est mot composé au pluriel. حاول الأسماء أو ضع الأسماء المركبة في الجمع. Une sage-femme, المولدة. Une garde malade, الحارسة. حارسة المريض. Production écrite, complète ce texte avec ce qui convient. أتمم النص بما يناسب هذه الكلمات. Le traitement, الدواء أو العلاج. Une intoxication, تسمم. La tête, الرأس. Rendre, والإرجاع. بمعنى التقيؤ. Guérir, شفية. La maison, المنزل. Dispensaire, هو المستوصف أي المستشفى الصغير. Un sandwich, هو وجبة خفيفة. À la sortie de l'école, عند الخروج من المدرسة, Salim a acheté. Salim اشترى. Il a mangé en vitesse. أكلها بسرعة. Il a mal à. ألمه أو يضره. Et il s'y met à. وقام ب. De retour à. عند عودته إلى. Il s'est senti mal. أحس بالألم. Son père l'a conduit au. حمله أو قاده أبوه إلى. Du quartier. الحي. C'était. إنه. Il doit suivre un, عليه أن يتبع, pour, من أجل. Puis, imagine la conversation entre Salim et le médecin de à l'hôpital. تخيل الحوار الذي دار بين سليم والطبيب في المستشفى. Le médecin, bonjour, comment tu t'appelles? صباح الخير, ما اسمك? وأنجز النص. ولكن الإنجاز يجب أن أحترم هذه التعليمات. J'écris un dialogue. أكتب حوار. J'écris des phrases correctes. كتبت جمل صحيحة. J'ai bien ponctué mon texte. قمت بوضع علامة الترقيم. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. ما خصنيش ندير أخطاء إملائية. J'ai bien conjugué des verbes. قمت بتصريف الأفعال بصورة جيدة. Si j'étais poli avec le médecin. هل استعملت أسلوب الأدب مع الطبيب؟ الأدب والاحترام للطبيب. Maintenant, arrêtez la vidéo et faites les exercices. Quand vous avez terminé, reprends la vidéo pour trouver la correction. الآن قم بإيقاف الشريط وعند الانتهاء من التمارين قم بإعادة تشغيله لتجد التصحيح. Maintenant, on va faire la correction. Les éléments de correction. أنا صرت صحيح. الآن ما غاديش نستعملوا اللغة العربية فقط اللغة الفرنسية لأن كل شيء شرحناه في عند الإنجاز. Donc compréhension de l'écrit. À quel genre appartient ce texte? C'est une lettre. Qui écrit ce texte? À qui et pourquoi? Aïcha écrit à son père pour lui donner des nouvelles de la famille. De combien de nombres est composée cette famille? Il se compose de 5 personnes. Cette famille se compose de 5 personnes. Question numéro 4. Qui a acheté les médicaments à la pharmacie? C'est Aïda qui a acheté les médicaments à la pharmacie. 5. Le père de Aïda est journaliste. Vrai. 6. Relève la phrase qui indique qu'Aïda va faire une surprise à son papa. Donc la phrase est: quand tu reviendras, je te parlerai de quelque chose qui va te faire plaisir. Question numéro 5. À quelle occasion le père d'Aïda est allé à Agadir? Donc, la réponse plutôt. Il est allé à Agadir à l'occasion de la visite royale. Question numéro 8. Qu'est-ce qui montre que Youssef et Selma travaillent bien à l'école? Ils obtiennent de bonnes notes. Activité réflexive sur la langue, lexique. Dans le synonyme de mot souligné, donc, écrit, le synonyme c'est rédige. Achève, ça veut dire termine ou bien fini. Le contraire de mot en gras, en bon, on va mettre en mauvaise. L'expéditeur, c'est le contraire, c'est le destinataire. Grammaire, écrit à la forme négative. Donc, ma mère n'est plus malade. 4.
Souligne le groupe nominal et entoure le groupe verbal. Donc, Salma et Youssef, c'est le groupe nominal. Révise leur leçon, c'est le groupe verbal. Question numéro 5. Relie ces deux phrases en utilisant on sait que. Donc, on a deux choix. Donc, on peut dire Salma est aussi heureuse que Aïda, ou bien on peut dire Aïda est aussi heureuse que Salma. 6. Relie ces deux phrases en utilisant comme. Donc, on va dire, comme je suis l'aîné, j'aide ma sœur et mon frère à faire leurs devoirs. Exercice numéro 7. Souligne les adjectifs. Donc, on a deux adjectifs. On a jeune et présent. Jeune, c'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est collé, il est collé au mot qu'il désigne. Mais présent, c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce que il le sépare avec le nom qui désigne un verbe d'état. Ici, c'est le verbe être. Conjugaison. Donc, autant demander. Donc, on va dire les journalistes se sont précipités. Un verbe pronominal, toujours les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ici, deuxième phrase, on a l'impératif écoute. Le conseil de médecin. 10, on a le présent de l'indicatif. On va dire, nous attendons le retour de notre père. Pour l'exercice numéro 11, on a ce qu'on appelle le futur. On va dire, vous serez bientôt de retour et nous aurons une discussion. Mais le verbe entre parenthèses, autant qu'il convient. On a ici une condition, mais une condition avec, on va utiliser l'imparfait. On va dire, si le papa était là, ça veut dire on a une action qui s'est passée dans le passé. Aïcha, lui, rencontrait son secret. Parce qu'on a une action qui se déroule dans le passé avec une continuité. Orthographe termine avec les homonymes. On va dire, la maman a demandé. Ici, si on va mettre accent parce que c'est le participe passé. On a le temps de passé composé. Aïcha d'envoyer, on va mettre ER, donc le verbe envoyer sera à l'infinitif. Pourquoi? Parce que devant lui, il y a une préposition, c'est de. On a une règle, toujours devant un verbe où il y a une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Question numéro 14, complète avec son et son, on va dire. Aïcha et son père sont très proches. Donc, son père, ici, on va utiliser l'adjectif possessif. Le son, c'est le verbe être très proche. Puis, mets les noms composés au pluriel. Une sage-femme. Une sage-femme, c'est un nom composé. Il se compose de deux noms. Alors, quand on a un nom composé qui se compose de deux noms, au pluriel, les deux noms prennent S. Donc, on va dire des sages-femmes. Sage prend S. Et femme prend un S. Le deuxième mot, c'est un garde-malade. Ici, on a un nom composé d'un verbe plus nom. Donc, garde, il va prendre le S. Garde ne va pas prendre un S parce que c'est un verbe. Et malade va prendre un S parce que c'est un nom. On va obtenir des gardes-malades. Regardez bien, garde ne porte pas un S parce que c'est un verbe. Et malade prend un S parce que c'est un nom. Puis l'exercice de production écrite complète ce texte avec ce qui convient. À la sortie de l'école, Salim a acheté un sandwich. Il l'a mangé en vitesse. Il a mal à la tête. Et il s'est mis à rendre. De retour à la maison, il s'est senti mal. Son père l'a conduit au dispensaire du quartier, c'était une intoxication. Il doit suivre un traitement pour guérir. Donc, pour l'exercice numéro 2, imagine la conversation entre Salim et le médecin. Donc, le médecin va dire bonjour, comment tu t'appelles? Salim répond, je m'appelle Salim. Parce que c'est Salim qui parle. Le médecin, où tu as mal? Donc, ici, on peut utiliser, on a le choix. On peut choisir où tu as mal ou bien qu'est-ce que t'es arrivé. On va prendre par exemple nous.
où tu as mal, Salim? Par exemple, il va dire j'ai mal à j'ai mal à l'estomac ou bien j'ai mal à la tête. Le médecin, laisse-moi regarder tout ça, etc. C'est une intoxication. Salim, c'est grave. Il pose une question au médecin. Le médecin, on va te soigner. Ton papa va acheter ses médicaments à la pharmacie, mais finis les sandwichs achetés dehors. Promis. Salim, oui, docteur, promis. Merci, merci beaucoup. Notre leçon touche à sa fin. Merci. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Darsona أشرف على نهايته. لا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء. Au revoir dans une autre leçon.